es un bon amour. Olo bozan samba bana bitike, bitike wangoye yo, bitike wangoye yo, es un bozan. Bonne news sur Yamputu. Kaka. Amigui. Amigua. Bonne occupe, ça va stress. S'abonner, s'abonner. Vous s'abonner massivement. Qui s'abonner, what? Non. Fondation de la foi TV. 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 Chana Makambo. Et Kanga Marcelo, maire chien de l'année. Bonne news sur Yamputu. Bonne Afrique d'ici. Bonne news sur Yachinsas. Bonne États-Unis. Bonne déconnue sur Yamputu et la diaspora. Bonne Sabonade. Ah, vous avez décidé. Vous dites que ma fille. Ah, bah, Gaga vient. Ah, bah, Michel Ouza. Ah, ba comédien bien au ba ce qui sera bien on a bossé puis la na ba au pe ba joue après ba ningi bolimi la wana awa vous allez pousser mona e on a tatou fashion ninga bina kan awa ou comme on a kaka mbala moko hello nga tatan tatatatan tatatatan mbala moko na sima oui ou ningi mo ya ba ferin ma zo vivre vie normale le quoi bana au bana ba bouti ici tu vois nga ça a faire nga bina ga au faire c'est faire ce mec des honk des grands frères. Na seli mariage moko ya busu.
Maman, il faut que nous donnions le bon. Tu que les cas, tu que les cas. Moi, la bâti classe. Après, la outil classe, il y a d'abord. Il y aurait maman. Mais tu que les gars, les bêtes, tu que les bêtes, ça souffre, maman, on se fait des souffres, tu que les gars, souffre, les gars, les gars. Mais on les bêtes. Bon, maman, elle les bêtes. Bon, tu que les. Tu que les. Donc, on va porter à papa. Papa, maintenant, à carrer le salon. Bon, je suis allé à l'école, je suis allé à l'école, je suis allé à l'école, papa, je suis allé à l'école, papa, je suis allé papa, a suis allé à l'école, et maman, je suis allé à l'école, je suis allé à l'école, Je suis là. Papa lui dit, oh, mais maman, il y a des gens qui ont fait le résultat de l'évangile. Papa a bien dit pasteur. Directeur, à Julien. Tu es un pasteur. L'autre est un pasteur, parce que lui, bon, maman, quel est le bon moment de gagner? Pourquoi ça a été un papa qui a fait un ensemble? Pourquoi ça a été? Papa, bon, c'est la situation. Tu es un moine. Donc, comment tu as fait? Bon, ça WhatsApp, ça nous. Bon, ça WhatsApp. Tu tiens à cacher WhatsApp, on a tout béni. Maman, comment on se met à casser au béni? Oh, papa, on a un bangan à sa moine en zambé. Amen. Papa, il y a moine à béni. On s'apprête, on s'apprête. On s'en est si bien, on s'en est si bien. Elle tombe dans le sang. Les boum, c'est là qu'il y a pour ca, maman. Donc, je ne sais pas, 6 ans, 4 ans. Papa, la nuit caca, papa la monnaie de côté, papa le mieux qu'à épimer la tâche à l'époumou. Et t'es comme libéré ou comme délivré. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Papa le m'a péché, au collage la pierre, n'a la pierre. À partir de l'eau, au la pierre, ma, t'as le bon nanga. Et ça, sous ses sous, ça sous passe, et son confrère sous. Maman, je suis là. 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 Papa suis là. Je 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 suis là. Maman, papa a dit, kende. Quand on a bossé, on a quelqu'un qui nous bossait, on a bâti dans la bocage, on a quelqu'un qui nous valmé. Nous avons dit que nous avons dit ah, merci Seigneur. Jésus, alléluia. Merci. Alléluia. Papa, j'ai la foi. Fais-moi sortir ici. Je vais sortir ici. Je vais sortir ici. Il y a eu trois fois. Et c'est irrécolisé, merci Seigneur. Irrécolisé. Alléluia. Merci Seigneur. Esprit Wana est bungi. Le bungi. Alléluia. Na sima na ngana moni mobali moke ya kangi ya mbinga ai
t'aime au nom de Jésus. Sors dans cette chambre. Sors dans cette chambre. Sors, 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 sors. Na fombe le mission allo ni ni kaka. Na tombo wa na mana bilinga. Allo na mama na bonde la kumakase. Na moni moto moka kota ki na fenêtre. Fenêtre l'hôpital des Amba fleur de Belinga. Na fleur de Belinga kuna. Moto na lui na benga na pié. Moi na pas capté kuna lokola na na capté. Donc vraiment, nous sommes comme ça. Esprit, c'est tout n'inga, nous sommes tout n'inga. Est-ce que vous avez foi? Vous avez un dîma? Dans la oui, papa, nous avons un dîma. Fais-moi sortir dans cette chambre. À partir de la place où on a, on va lui mettre maman à Kopika, à Kopoufa, de se sauter. Donc nous sommes comme ça, nous sommes bien. Dès que nous avons une image où on a, nous sommes comme ça. Donc, je vous remercie de la prière. Merci pour la papa Adrice. Merci pour la maman Suzanne. Parce que la légende est la maman Suzanne. Elle a vu comment il y a papa. Ni à moi, elle a dit papa, elle a appelé papa. Elle a vu maman Suzanne, elle a vu la gaboye. Mais maman, au piqué. Aussi au piqué. Dans les autres, mais ça va nous aider. Amen. Depuis dimanche passé, après qu'il y a une zone qui est là. Kokota na kota ginda kuna bela ki maladi moko ya impossible. Donc ndenge bazolo bakie ba msusu ba ukufa ubeli na kabrisi kema boyo kufi na bela kiango. Na leko ngana luna watujo makamu na zongi na ko suete na jimoko te o eza facilite. Donc musala oyo papa boyo ya dosala eza vraiment musala. Donc ce qui nous a bien guéoté, donc il faut ça la blague. Donc bando qui pinga, basaka nakati. Donc bazo zimele tant on y est. Donc la belle qui fier, faut comment la rabo y osomo la que non, toi ça normal, mais la zobe la nakati. Na bando pas. Donc na fan da ma be, na tele ma ma be, na salonge ma be. Mon Congo et Bali, copé ça va douler. Ma douleur, ce qui est bandit et qui tient à gauche, ce qui est loin à gauche et à droite, ce qui est loin à droite et cani loquette. Donc, nous allons pas pour côté. Nous allons tourner, na ABC, Elsa. En tout cas, là vraiment, nous allons pour côté sur ce type. Il est pas ABC ngai. Hôpital paye, tu vas qu'en été. ABC ngai benga papa. Bon, na maman va na tant on a la bonne bandit. Ils ont maman ou papa avant leur service na Bedford. Ami bon na mega kak. Na meki ko benga bo na mi papa ya mete na bo papa za na service. Donc et kuna papa atika nyo so na maboko nzama. Après quelques minutes na se sentir moins bien. Alors quand on a commencé avec papa qui n'a eu ce que papa n'a jamais été, n'a eu beaucoup à s'inquiéter. Na commencé sur son papa à ce que moi ça va. Na fani wana, la douleur est là toujours, le fier est là toujours, mais ils allaient ça là-dessus, dengue à nouveau sauter. Vers ma 18h, papa dengue na est à ma site service. Na tenu papa ni na lui papa, tala les locaux ils ont ça de la mer. Le grand problème est que na sambe na na batu après na zongi. Na ma zongi na dengue est au bandit le sambe, tu sambe, ti na yapi ko sentir bien. Na monique je te connais bien mais ma douleur est là qui toujours na lobi ah lobi c'est pour lundi na mofuna que mes salas na lobi il est impossible na que mes salas pour na ma douleur c'est impossible na mon problème est là tant na lagi na mutu c'est quoi soyez na baloki na gauche na zo centimètre na zo longo la douleur soyez na baloki na droite toujours na zo na centimètre na zo longo la douleur. Na tongo tong na lamu na mesti na koko lamu kapinza na tele mana bet na iba na tele mana tong na tele ni dok na tele ni na ngapinza bien na keipi na sokoni na ke musala ju amo na sali musala bien anda ni kolona ilikai na lumi no kona na benga dokter o ako mela mama na kisi na kina mama na dokter ni spiki ya lumi ni makamu yoyo spiki ngai iza siatik me oyozoyi misangai eza compliqué nazo comprendre la note tellement na yona ki eza spirituel na yo
Ta combinaison avec l'antibiotique, dans une antibiotique, dans un vendredi, tu sens venir à papa avant prière, donc pour s'inviter. Je suis un peu plus de temps. Tanto mandio sambela mandeko yango toki na mananzamu bando ki bale makate biso soki deliverance na ngaite na ligota na biso na ngaite tolinga toyeba te ke tozala demo a personne oyo auta pena na siyanga ya siya mabele ye oyo ateka famille na biso ba renouvele liste. Donc, je vais vous donner un bisou, mais je vais vous donner un bisou, la salisse goyasika, pour ballon à bisou. Mais, la nion solo est bien, nous avons un bisou solo, nous avons un bisou toujours victoire. Donc, tout est dans la nion. Mon témoignage est long et je vais le faire parce que. Pour tout le temps, je veux continuer comme je fais pour les délivrances. Je veux continuer bien après. Et que depuis hier, je suis aussi occupée. C'est pour ça que je suis en menace. Mais je demande à Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob de m'aider. Si je peux témoigner de tout ce que je peux dire aujourd'hui. Donc, je suis malade depuis 2009 que j'ai été malade. Je suis partie à l'hôpital, on a vu quelques maladies. Après, arrivé à la maison, mon neveu m'a pris. Il m'a dit que allons voir quelqu'un là-bas et voir si ce n'est pas la maladie, si c'est la maladie de l'hôpital ou bien la maladie qui vient du monde. Nous sommes partis voir un Sénégalais dans un quartier de mon pays. Le Sénégalais a demandé, il a vu, il a demandé que ma maladie n'est pas la maladie de l'hôpital. C'est une maladie qu'on m'a lancé un mauvais sort. Après j'ai commandé, il m'a demandé une somme d'argent pour donner, j'ai donné. Il a commencé à me faire des lavages. Il mettait l'eau dans un seau chez lui que je me lavais chaque soir. Après 3 jours, il a commencé à nous expliquer comment il a son don à soigner les gens. Il a dit qu'il avait fait 3 loges. Le premier, il était avec un serpent moyen. Le deuxième, le serpent était plus gros. Et le troisième, il a vu le gros serpent du monde. Le plus gros serpent du monde dans l'autre loge. Et on lui est sorti et il a commencé à soigner, à traiter les gens. Pendant que je partais toujours me laver là-bas, mais je sentais, j'étais bien portant. Mais dès que j'ai commencé à me laver, la maladie, je sentais autrement dans mon corps. Le corps, ça n'allait pas. Je lui ai demandé que comment depuis que je me lave ici, je ne me sens pas très bien sur moi. Ça ne va pas, on dirait que j'ai quelque chose qui vient me froisser tout le corps. Après, il a commencé, comme toute ma famille partait là-bas, il a dit que non, comme vous la voyez là, c'est une sorcière, c'est pour ça qu'il ressent des choses. Je lui dis que non, ce n'est pas le problème de sorcellerie. Il me dit que non, comme c'est comme ça, alors on doit aller à la mer. Je dis que non, je ne peux pas partir à la mer avec toi. Après, en 2012, nous sommes venus ici en Europe.
Europe. Ici en Europe, j'ai déjà parcouru plusieurs églises. J'étais à Lourdes, j'étais à Nivers, j'ai déjà trop marché, mais je me sentais toujours les mêmes manifestations dans mon corps. Comme ici en Europe, quand tu ne travailles pas, tu peux faire des formations. Je suis en formation parce que je ne travaille pas pour le moment. Donc, en formation, je suis partie déposer pour la demande de stage là où maman Isabelle travaille. Je l'ai vu le premier jour parce qu'on était dans une même église, on fréquentait dans une même église. Moi, je ne parle pas là-bas. Elle m'a alors demandé que comment tu parles encore dans notre église là-bas. J'ai dit que je ne parle pas là-bas. Et elle aussi, elle dit que pour le moment, je ne parle plus là-bas. Mais je peux, là où moi je suis maintenant, je peux te donner la numéro de ce pasteur. Quand elle a dit qu'elle me donne le numéro du pasteur, elle m'a demandé que non, attends même j'appelle le pasteur là. Il a appelé le pasteur. Quand il a appelé le pasteur m'a demandé, elle m'a donné son portable pour que je pose avec le pasteur. J'ai posé avec le pasteur m'a demandé que on va poser quand je ne serai plus au travail. Donc, le même jour, on est parti, je suis parti chez moi vers 14h, j'ai appelé le pasteur. Le pasteur m'a donné les prières, on a commencé à prier ensemble. Quand on a commencé à prier ensemble comme ça, j'ai commencé à manifester, à mourir. Elle m'a dit les problèmes que je connais au mari de nuit. Parce que quand j'étais avec mon mari, il ressentait que je suis, quand nous sommes couchés, mais dit que on dirait qu'il y a toujours un type qui est couché entre nous. Moi, et partout, même là où je partais, on me disait toujours l'affaire de mari de nuit. Il a dit le serpent. Lui, j'ai dit que lui, je connais le serpent parce que là où je partais, me faire crêter, il a dit qu'il faisait l'éloge. Bon, lui, il était seulement avec le serpent. Peut-être c'est ce serpent qu'il m'a communiqué. Et les mille pas qu'il a aussi vu sur moi. Donc, le ventre a commencé à me tourner, à me tourner. J'ai aussi un autre problème que je ne dormais pas. Je dors depuis que je suis là, seulement avec les dormants qu'on me prescrit à l'hôpital. Elle m'a dit que maman Rose, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à dormir comme un bébé. Et cette nuit-là, c'est la semaine passée, je ne dis pas les choses depuis lui, c'était la semaine passée. Et cette nuit-là que j'ai commencé à dormir comme un bébé, comme il a dit, dès que je finis la prière le soir, la prière de délivrance le soir, je me plonge dans un sommeil pas possible jusqu'au matin. Donc, depuis ce temps-là, je dors comme ça. Et la nuit qu'on a fait la première prière, donc le matin là, ce qui est sorti dans mon ventre, dans les toilettes, c'est l'eau qui sortait. L'eau sortait sur moi toute, peut-être 30 minutes, c'est l'eau qui coulait, qui sortait. Donc, je remercie Dieu parce que depuis ce temps-là, le mal, comme je sentais toujours, mon corps était comme froissé, comme c'est comment. Depuis que j'avais vomi tout ça, et je commence les délivrances, je ne ressens plus le même mal. Je suis seulement parce que la grippe, j'ai eu un coup de vent et j'ai eu la grippe que je suis un peu menacée. Mais le mal que j'avais, qu'il y avait un truc chez moi, depuis je ne ressens plus ça.
début qu'il a commencé les délivrances avec moi. Donc je remercie le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, pour qu'il maintienne notre pasteur, parce que grâce à lui, grâce au bon Dieu, que je commence à voir que je commence à avoir la santé comme j'ai un peu de santé maintenant. Et je remercie aussi Maman Isabelle que Dieu a conduit vers moi, parce que moi et elle, on ne posait pas à l'église, mais il est venu le jour là me voir. C'est Dieu qui l'a envoyé pour venir me voir pour qu'on cause pour ce problème. Je remercie aussi le Seigneur pour qu'il la protège, pour qu'elle continue dans son domaine qu'elle a choisi. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie pour que, si vous aussi vous avez les problèmes que vous avez amenés, que Dieu aussi fait de vous ce qu'il a fait pour moi. Donc, c'est le peu là que je pourrais vous dire. Je veux continuer parce que je continue encore les délivrances. Amen. Mais la semaine passée, j'ai fait une semaine. Cette semaine, j'ai fait des moyens pour ma vie. Alléluia. Le diable ne fait que ça va péter la vie. Je ne suis pas trop en santé là. Mais je veux faire un effort pour que je remarque Dieu. Qu'Abraham, Isaac et Jacob me protègent pour que je puisse faire ce témoignage pour ma fille. Donc, j'ai une fille qui a eu ses diplômes. Mais arrivée à l'université, elle n'a plus pu continuer. Elle est entrée dans les groupes de filles qui ne faisaient rien. Ils sont venus rester chez elle. Et après, elle ne faisait rien. Elle a tout laissé. Mais quand même, elle a dit qu'elle voulait faire l'école des infirmières. Elle a fait quand même le concours des infirmières. Mais elle a passé. Après 3 mois, elle a laissé, elle est venue rester à la maison parce que tout ce qu'elle peut faire, c'est seulement le non-accomplissement qui dérange tout ce qu'elle peut faire dans sa vie. Donc, elle est partie, elle est restée à la maison, elle ne faisait rien. Mais les autres filles continuaient les études, leur école et leur vie, et leur travail. Elle peut même aller travailler quelque part. Elle fait seulement 2 mois, 3 mois. Elle vient, elle rentre à la maison. Elle ne repart. Elle part seulement. Si elle voit là où elle voit, elle commence à boire jusqu'au matin. Elle dort toute la journée. Donc, après, elle a été enceinte. Elle a couché les jours. Quand elle a couché les jumeaux comme ça, et puis elle est partie dans notre pays, elle est partie rester plus d'un an là-bas. Elle a encore le genou. Elle-même a cherché un concours de niveau bac pour qu'elle cherche encore le travail. Elle m'a dit que je dois faire un concours. Elle a fait le concours, elle est passée. Mais bien après, elle vient me dire que non, je ne peux pas plus à l'école, je cherche le travail. Elle a cherché le travail. Elle a travaillé 3 mois. Et ce qui m'a étonné, comment m'a enlevé ce que j'avais sur moi, elle m'appelle mercredi, elle me dit que non, je ne continue plus simplement à faire des travaux comme ça. Il faut que j'aille à l'école pour 2 ans, le concours que j'ai. Donc, elle m'a dit, je m'en vais faire l'entretien là-bas. Elle est partie vendredi faire l'entretien. Elle m'a dit que je commence l'école lundi. Donc,
je voulais remercier le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et Jacob, cette image que si elle peut continuer à fréquenter comme elle a dit qu'elle commence demain et terminer ses 2 ans, que l'esprit de non-accomplissement ne la mène plus comme ça fait toujours. Donc, je suis venue témoigner pour que Dieu m'aime, parce que quand tu témoignes, si Dieu peut ouvrir ses portes, qu'il enlève là où elle est partie, pour qu'elle continue dans le bon côté maintenant. Donc, je remercie notre papa, je remercie le bon Dieu qui m'a d'abord guidé chez maman Isabelle. Je suis partie chercher un stage, mais le stage est devenu ma délivrance. Donc, je remercie aussi notre papa qui prend trop de peine sur nous, nuit et jour. Donc, Dieu le garde, il le protège, qu'il continue à sauver les âmes. Merci.